sur fond de changement climatique, l'accès à l'eau, sur le plan quantitatif comme sur le plan qualitatif, va être absolument central. C'est d'ailleurs dans ce sens-là qu'il y a déjà un an maintenant, j'avais sollicité l'émergence d'une conférence européenne. L'eau est un commun vital que nous devons réapprendre à partager afin de sortir des logiques d'accaparement pour certaines activités économiques. L'agriculture, premier consommateur de ce commun vital, est au cœur de cet enjeu de partage. Alors si nous devons engager des politiques publiques d'investissement en direction de la gestion de l'eau, ils ne peuvent absolument pas s'inscrire dans des fuites en avant comme les méga-bassines par exemple, et au contraire soutenir le changement de pratique plutôt qu'exiger des réponses qui prolongent l'enfermement de l'agriculture dans des modèles éculés. Notre salut passe par une restauration efficace du grand cycle de l'eau afin de ralentir les écoulements, retenir l'eau dans les zones humides et permettre son infiltration dans les nappes souterraines, seul stockage permettant de préserver l'espoir de la satisfaction de tous les usages. Soyons au rendez-vous de l'histoire et ne gaspillons pas l'eau ni les deniers publics dans des fausses bonnes solutions.